Hello tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on commence enfin la série sur mon cosplay de Raiden Boss. J'espère que toutes ces vidéos vont vous plaire. On va d'abord commencer avec la partie protège-hanche, les machins là qu'elle a sur le côté, je sais pas trop comment ça peut s'appeler. Mais du coup on va commencer avec cette partie-là. Je vais essayer de vraiment vous séparer toutes les parties pour pas que ça fasse des vidéos trop longues non plus parce que sinon c'est chiant. J'espère que ces vidéos vont vous plaire, comme d'habitude vont vous aider dans la réalisation de vos cosplays. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai commencé par étaler tous les patrons, il y en avait énormément. Il y a toutes les tailles de mousse, il y a de la 2, de la 5 et de la 10. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la 10. En noir, ce sera la 5 et en jaune, ce sera la 2. Au moins, ça vous permet de à peu près voir quelle mousse et à quel endroit. Pour le lien des patrons, si jamais ça vous intéresse, je le mets dans la description comme d'habitude et le matériel que j'ai utilisé aussi, si jamais ça vous intéresse. Après avoir tout reporté, il faut tout découper. Donc ça m'a pris pas mal de temps, de la patience aussi. D'ailleurs, je vous mettrai la marque de mon cutter si jamais il vous intéresse, parce que j'en cherchais un qui découpe vraiment bien la mousse sans forcément faire d'à-coups et tout ça, que ça fasse vraiment des découpes nettes et propres et sans se couper la main non plus. Donc de toute façon, je vous mets tout ça dans la description comme d'habitude. Et là, la partie la plus chiante en fait, tout découper petit à petit. Maintenant, dès que tout a été découpé, il faut tout assembler. Donc j'ai suivi les explications parce que j'avais pris et les patrons et les explications. Et du coup, chaque partie est numérotée. Donc il fallait tout assembler pour la partie haute, la partie basse, toute la partie armure. Enfin, je vous laisse regarder ça de toute façon en vidéo. Il n'y a trop rien à dire dessus. Et puis j'ai suivi ce que j'avais simplement écrit.
Donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de finir de tout assembler. Ensuite, j'ai passé donc au moins 3 ou 4 couches de flexi-paint. J'utilise le flexi-paint parce que je trouve que c'est vraiment génial. Ça craquelle pas après quand tu mets la peinture et tout ça. Et après, j'ai passé de la bombe de peinture noire, comme vous pouvez le voir là à l'écran, parce que la plus grosse partie de l'armure était en noir. Donc, je me suis dit autant utiliser de la bombe. Et ensuite, j'ai tout peint en doré, donc avec de l'acrylique au pinceau. J'ai passé deux couches parce que j'aimais bien que ça fasse l'effet un peu vieilli, vous savez, sous le noir. Mais après, vous auriez très bien pu passer de la bombe de partout pour que ça fasse vraiment net. Mais voilà, j'ai préféré laisser un effet un peu sali comme ça et un peu habillé. Ça, la découpe, donc c'était un vinyle au violet. Donc, je mettrai le lien pareil. Donc, j'ai découpé les petits cercles qui iront dans la partie haute, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ensuite, j'ai collé directement le logo électro dessus. Et après, pour cette dernière partie, il va falloir s'armer de patience et faire des petits trous et ensuite ajouter de la cordelette rouge. C'était un des détails qu'il y avait dessus. Ça m'a pris énormément de temps. Donc j'ai pris de la colle très très forte. J'ai fait des petits trous au cutter, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, j'ai enfoncé légèrement les cordelettes rouges en fait. Et voilà le rendu fini, il manque juste après à rajouter des petits scratchs sur le body pour les fixer.